Les autorités réitèrent leurs recommandations de prudence à l'intention des résidents habitants. Tu te crois malin, le poste de radio, hein, à vous ? Qui est le plus malin des deux ? Qui est en train de posséder l'autre ? Il faut que je le fasse parler, ce morveux. Je meurs de faim, je ne peux pas réfléchir à l'estomac vide, il me faut des protéines. Il me faut des œufs. Tout a un prix. Il suffit d'offrir à ce sale bon ce qu'il voudra et de jamais lui donner. Tu as mangé un de mes œufs? Ouvre la bouche. Pas de touche à mes œufs, jeune. Alors, y vont-nous. Le gamin a l'aigle. Je veux l'aigle. Il refuse de me le donner. Si j'arrivais à trouver le point faible de ce petit crétin, je pourrais l'obliger à me donner l'aigle. Mais, manque de chance, son point faible, le seul et unique, c'est l'aigle. Peut-être que si je le collais dans un nid de fourmis rouges, ça lui délirait la langue et ensuite... Je te prends la main dans le sac, hypocrite. Qu'est-ce que tu t'imagines, pauvre débile? Mes facultés mentales sont deux fois supérieures à ta cervelle de petit pois. Johanna, je suis prêt à te donner des œufs d'ornithorynque, des œufs de serpent, même des œufs d'aigle, si ça te fait plaisir. Mais je t'interdis formellement de toucher à mes... Les œufs d'aigle. Mais oui, le voilà le point faible du bourbon. Je pousse un peu plus loin, je repousse en arrière.